Gloire à Dieu. Vous attendez la touche spectaculaire du Seigneur. Je dis gloire à Dieu. La nouvelle fraîche puissance du Seigneur, la fraîche touche du Seigneur viendra sur vous. Vous aurez une nouvelle vie, un nouveau miracle, une nouvelle guérison, une nouvelle délivrance sur toute vie, ce soir au nom de Jésus-Christ. Levez les mains là, Père, nous te remercions, nous te bénissons, que tu es un grand Dieu, le Dieu aimable, Dieu compatissant et miséricordieux. Nous venons à toi ce soir, espérant une nouvelle touche, une nouvelle onction, une nouvelle expérience, une nouvelle connexion avec le Créateur du ciel et de la terre. Nous demandons ce soir qu'aucun ne soit déçu ici au nom de Jésus-Christ. En ligne et partout, comme nous nous connectons à la puissance du Seigneur, que la puissance se connecte à tous. Nous te disons merci Seigneur, que tout le monde soit ravi devant toi ce soir. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. J'aime votre Amen. Encore Amen. Le ciel apprécie votre Amen. Dernier Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Comme vous avez remarqué chaque soir, nous sommes dans l'Évangile selon Saint Jean. Nous avons commencé par le chapitre 1, chapitre 1, 2. Le deuxième jour, on a lu le chapitre 4, 5, 6. Et puis, on a eu 7, 8, 9. Maintenant, et on a fait 10, 11, 12, 13. Ce soir, nous allons voir votre bénédiction qui provient du verset 14, du chapitre 14, votre guérison qui sort du chapitre 14, votre connexion à la puissance provient du chapitre 14. Et comme nous finalisons tout dans le chapitre 17, ce soir, quelque chose de remarquable va se reproduire dans votre vie. Voyons la parole de Dieu. En Jean 14, verset 12. Verset 12 dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Il a dit les mêmes œuvres. Tout ce qu'il a fait lorsqu'il était sur terre, il le fera pour vous. Plus grand que ce qu'il a fait à l'époque là. Qu'est-ce que cela veut dire de plus grand que ce qu'il avait fait à l'époque là? Cela veut dire qu'en ce temps-là, on n'avait pas entendu parler du VIH. En ce temps-là, on n'avait pas entendu, on n'entendait pas parler des problèmes chroniques comme ce qu'on attend ce jour. Même si c'est une maladie qui venait d'attaquer les gens, de plus grandes œuvres vont se produire ce soir. Le Seigneur va tout chasser au nom de Jésus-Christ. Voyons chapitre 15. Chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Donnez-moi un bon Amen. Le Seigneur vous regarde et le Seigneur dit, ce n'est pas que je décide de suivre Jésus, pas de retour, pas de retour. Le monde est derrière moi et la croix devant moi, pas de retour, pas de retour. Et moi, j'ai décidé, Jésus dit, avant de décider, que lui, il a décidé de t'avoir. Et il vous a. Et il va vous purifier. Et il vous purifie. Et il va transformer votre vie, disant, et dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure. Votre miracle va demeurer. Votre guérison va demeurer, quel que soit ce que vous obtenez de ce que Christ a fait à la croix du calvaire, cela va demeurer au nom de Jésus-Christ. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voyons chapitre 16. Au chapitre 16, je lis le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Parfois, certains viennent à la croix et disent qu'ils entendent 1, 2, 3, 4, 5 et disent que ça suffit. Mais Jésus a dit, avec tout ce que je vous ai dit, avec tout ce que vous avez vu, avec tout ce que vous avez expérimenté, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Avant d'être en danger, le danger sera ôté de devant vous. Maintenant, on peut prendre le repos. Maintenant, on peut avoir la paix. Tout ce qui est sur le chemin qui vous fera tomber, ce qui est sur le chemin qui va vous détruire, il vous montrera des choses à venir et ces choses seront déblayées de votre voie. Voyons chapitre 17, verset 20. Chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Il parlait des disciples, des apôtres, et il a prié pour Pierre. Il a dit, je ne prie pas pour lui seul. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Voyez, tous ces disciples, tous ces apôtres, pourquoi avait-il réussi? On va voir Pierre, le jour de la Pentecôte, il a déclaré la parole de Dieu, il leur a dit de se repentir, et environ 3000 âmes se sont repenties. Et ils se sont donnés au Seigneur, ils ont persévéré dans le Seigneur. Comment cela est arrivé? Jésus avait prié pour lui. Et toutes les prières que Jésus a faites, que les apôtres auront la chose, là, eux tous ont manifesté toutes les choses pour lesquelles il a prié. Voyez ce qu'il dit ici, dit que ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront. Qui sont ceux-là? Moi. Moi. Il a prié pour Pierre. Pierre a réussi. Il a prié pour Pierre. Et le nom de Jésus a agi puissamment dans sa vie. Et il a dit, non seulement Pierre, non seulement Jean, non seulement André, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous amenez au nombre pour lequel Jésus prie. Et la prière de Jésus va annuler le péché dans votre vie. Cela va ôter la maladie de votre vie. Et la prière de Jésus-Christ va frapper Satan hors de votre vie au nom de Jésus-Christ. Je suis très enchanté, très content que tel que Jésus a prié pour Pierre et les apôtres, de la même manière, Jésus prie pour vous. Il faut le dire pour vous-même. Je suis content de vous le faire savoir que tout ce qui peut vous stagner, vous immobiliser, Jésus l'a vu auparavant et il continue de prier pour vous. Et voyez, comme vous écoutez le message, Jésus connaît le désir ardent dans votre cœur et vous prie ce soir que vous allez recevoir.
C'est pourquoi il n'y a aucune ombre de doute en moi que vous êtes là pour être bénis, pour avoir le miracle, pour le salut, pour la délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Il a prié pour Lazare. Même Lazare qui était mort, enseveli et puant. Et Dieu a entendu sa prière. Vous n'êtes pas encore mort. Il faut dire, je ne suis pas encore mort. Il n'y a personne qui puisse dire, amen, s'il n'est pas mort. Montrez-moi que vous n'êtes pas mort. Amen. Et s'il prie, s'il a prié pour Lazare qui était mort et Lazare ressuscité, vous allez vous relever. Vous allez vous lever du fauteuil roulant. Vous allez vous lever de cette cécité. Ce soir, c'est votre soirée. Vous n'allez pas rater le miracle sur votre vie. Voyons ce dont nous parlons un à un. La première chose dont nous parlons, numéro un, c'est le maître parfait, exemplaire et qui donne la puissance. Et numéro un, c'est le premier point ici, le donateur puissant de l'esprit habilitant les serviteurs du Seigneur. Deux, le cep pur et nourrissant nous équipant pour la fructification dans la vie. 16, 3, le baptiseur parfait de l'esprit nous remplissant de l'esprit du Seigneur. Finalement, le sanctificateur présent priant pour notre sanctification à vie. La sanctification n'est pas quelque chose de temporaire. Mais cela continue tout au long de notre vie. Donnez-moi amen. Voyons la première partie ici. Premier point 6, c'est le donateur puissant de l'esprit habilitant les serviteurs du Seigneur. Voyons Jean chapitre 14. En Jean chapitre 14, le verset 11 dit: croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ou bien, croyez du moins à cause de ces œuvres. C'est ainsi que nous devons croire. On ne doit pas croire que je suis géant, je suis fort, je peux faire ceci et cela. Votre croyance porte sur le Seigneur. Que mon Seigneur Jésus Rédempteur est dans le Père et le Père est en lui. Toutes les œuvres qu'il a faites, toutes les guérisons qu'il a opérées et tous les morts qu'il a ressuscités, il a fait sur le compte du Père qui est en lui et lui aussi est dans le Père. Et il n'a pas changé. C'est pourquoi Dieu nous donne le miracle. Ce n'est pas parce que je roule par terre, ce n'est pas parce que j'ai jeûné 40 jours. Dieu me donne le miracle, le salut, la guérison, votre délivrance, c'est que le Sauveur est dans le Père et le Père est dans le Sauveur. Et comme vous venez et vous croyez cela, le miracle du salut, de la justice, vous sera accordé au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 12. En vérité, je vous le dis, lorsque Jésus veut dire quelque chose dont vous ne devez pas douter, et dit, en vérité, je vous le dis, mais le soleil va briller, va se lever demain matin. Quand il dit en vérité, il n'y a pas de doute. Il y a en vérité, certainement, il dit à qui? Je vous le dis. Ouais, le problème, c'est que lorsque les gens entendent les paroles de Christ, ils disent, d'accord, ils parlent à l'Église, ils s'adressent à eux, ils lui parlent. Mais le miracle se produit quand tu reconnais qu'il s'adresse à toi. À qui parle-t-il ce soir? Que tu auras le salut, à qui parle-t-il? Que vous deviendrez juste, à qui s'adresse-t-il? Que vous serez guéri, il s'adresse à qui ce soir? Il parle à vous. Félicitations à vous, vous êtes là. Et lorsque Jésus vous dit, ce que Jésus vous dit sera
fait sera accompli. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, pas celui qui croit en lui-même, les gens qui disent que je crois en moi-même, et cela ne te donne rien. Même si tu crois en toi-même, qu'as-tu pour apporter la solution à tes problèmes? Est-ce que tu peux te sauver? Je me crois à moi-même. Je crois au Père. Qu'est-ce que le prêtre peut faire? Je crois à la Vierge Marie. Est-ce que cela peut te sauver? Celui en qui tu dois croire, c'est le Christ Jésus, notre Sauveur. Il est l'unique, le seul Sauveur. Et celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ces œuvres seront manifestées dans votre vie ce jour au nom de Jésus-Christ. Et puis dit, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quelqu'un vient à l'évangéliste et dit, je veux que tu pries pour moi, mais avant la prière, voici mon problème. Je veux que tu me dises s'il y a ce problème dans la Bible avant de prier pour moi. Alors, que dis-tu? Quel est ton problème? Ceci et cela. Et nous disons qu'on ne peut pas le trouver ici. Tu dis d'accord. Donc, si tu ne peux pas le retrouver, donc je n'ai pas besoin de prière. Si tu ne peux pas retrouver mon problème, ma cigarette, mon tabagisme, si tu ne peux pas retrouver mon alcool local dans la Bible que Christ a, le problème duquel Christ a affranchi quelqu'un là-bas, au revoir. Il ne faut pas quitter de plus grandes œuvres. Ce que vous n'avez jamais entendu, cela va se produire. La délivrance, le miracle, la manifestation de puissance, ce que vous n'avez jamais appris, vous avez un problème particulier, vous aurez un miracle particulier. Ce que vous n'avez jamais lu, ce que vous ne connaissez pas, vous allez obtenir le miracle du jamais vu, même ici, ce soir, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est dit, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est fait. Voyons ce qui suit ici. Je vais voir, deuxième point ici. Le cep pur et nourrissant, nous équipant pour la fructification dans la vie. Allons à Jean 15. Jean 15, cela nous dit au verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis le vrai cep. Et il y a aussi de faux cèpes. Le problème que nous avons, c'est que, on va cherchant des cèpes. Quand on voit un cep, ne sachant pas que c'est un faux cep, on l'embrasse. Et ça me fait rappeler le temps de Élisée. Et il a envoyé des serviteurs d'aller chercher des lentilles pour faire préparer à ces gens afin qu'ils mangent. Ces gens étaient sortis, ils sont allés, ils ont rassemblé, accueilli ceci et cela, ne sachant pas que ils prennent ce qui n'est pas comestible. Arrivés à la maison, ils ont préparé, ils ont commencé à manger. Quelqu'un a crié qu'il y a la mort dans le pot. Parce qu'ils ne savaient pas, ils ne reconnaissaient pas le vrai cep. Alors ils sont allés pour le faux cep. Les gens d'aujourd'hui, alors qui sont en quête du salut, qui sont à la recherche de la guérison, qui sont en quête de la délivrance, ils sont à la recherche de miracles. Ils vont ici, ils vont là-bas, ils sautent là-bas, ils bondissent ici. Et ce qu'ils retrouvent, et Jésus dit, tout cela, c'est faux. Vous êtes et sortez du faux. Amen.
et il dit que je suis le vrai cep, ce qui est vrai. La personne qui est vraie, qui est véritable, qui est dépendable, celui-là qui est fiable. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Lorsque vous venez à lui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà le verset 4. Verset 4 nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si je dis, demeurez dans cette chambre, vous n'êtes pas entré dans la chambre, vous devez entrer dans la chambre avant d'y demeurer. Si je vous dis demeurez ici, vous devez venir à ce lieu-là, rester à ce lieu là-bas avant d'y demeurer. Quand il dit demeurez en moi, cela veut dire que vous devez venir à Christ tel que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Vous devez lui permettre d'être en vous et vous en lui. Voyons, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Et c'est une circulation bilatérale. Il veut que tu ouvres ton cœur, qu'il entre en toi, et il veut que tu comprennes que lui est, il est en toi et toi, tu es en lui. Alors, c'est fini, tout miracle va se produire dans ta vie. Voyons, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous le demeurez en moi. Verset 5. 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Vous devez vous connecter à lui. Vous êtes les sarments. Vous devez être converti par lui et vous êtes les sarments. Et dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure a tout le temps qu'il parle. Il parle des deux côtés. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, lorsque vous le laissez demeurer en vous, lorsque vous lui permettez d'agir en vous, lorsque vous le laissez pénétrer en vous et de demeurer en vous, et vous aussi vous demeurez en lui, dans sa parole, il n'y a pas de moyen. Le miracle à tout prix va courir derrière vous. Si vous levez, le miracle va se lever, s'attacher à vous. Si vous êtes assis, le miracle va s'asseoir avec vous et s'attacher à vous. Parce que lorsque vous vous cachez en lui et lui, vous demeurez en lui et demeure en vous, il y a un miracle avec votre nom et votre numéro attaché à ce miracle. Toute autre personne aura son miracle et vous n'allez pas rater votre miracle. L'aveugle verra, le paralytique marchera, le fou sera normal, mais quel que soit ce qui se passe là-bas, et on crie et on s'en réjouit, ton miracle va te chercher pour te localiser. Tu demeures en lui et demeure en toi. Alors, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Votre vie sera fructueuse, vous allez porter beaucoup de fruits. Votre femme va porter de fruits. La stérilité va disparaître. Votre mari sera fructueux. Oui, l'infécondité va disparaître. L'œuvre de votre main va porter de fruits. La précarité, la pauvreté va disparaître. Demeurez en moi et que je demeure en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, quelqu'un me dit le reste, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, il faut le dire, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, en lui, par lui, pour lui, vous pouvez tout faire. Par Christ qui me fortifie,
Lorsque votre faiblesse s'évapore, le vide s'évapore, la maladie ôtée, parce que en lui, pour lui, par lui, à travers lui, tout est possible à vous ce soir. Voyons numéro 3 ici. Numéro 3, nous allons voir le baptiseur parfait de l'Esprit nous remplissant de l'Esprit du Seigneur. Nous remplissant de l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'un homme fasse quelque chose? L'Esprit qui est en lui. Parce que, tel que le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans l'œuvre, sans l'action est morte. C'est l'Esprit dans l'homme. C'est pourquoi c'est dit que quiconque n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas de lui. L'Esprit doit venir en vous. Et lorsque l'Esprit vient en vous, cela va vous faire mouvoir. Vous allez vous lever et aller à la bonne direction. Cela va secouer tout ce qui doit être secoué de votre vie au nom de Jésus-Christ. Le même esprit là qui est entré et Christ est ressuscité des morts, alors va donner vie à tout ce qui est mort dans votre vie. Vous savez, parfois, quelqu'un dit que j'ai des problèmes oculaires. Vous savez, il y a de petits nerfs là-bas qui sont morts et à cause de la mort, c'est pourquoi la personne ne voit pas bien. Quelqu'un dit que j'ai l'arthrite. Et en ce lieu-là, et le lieu, c'est comme, oui, il y a des ligaments là-bas qui ne fonctionnent pas bien, qui sont morts. Quelqu'un dit que, oui, que même quand on crie, je n'entends pas, je suis sourd, je n'entends rien. Vous savez quoi? Oui, il y a une membrane là-bas, le tympan qui n'est plus sensible, c'est mort. Quelqu'un dit que quand on dit lever la main, je ne peux pas lever la main. Vous savez pourquoi? C'est parce que à l'épaule, à son épaule, il y a des nerfs là-bas, des muscles là-bas qui sont morts. Quelqu'un dit que le sang ne parvient pas au niveau de mon cœur et qu'il y a des cailloux là-bas. Et c'est facilement que je respire. Vous savez quoi? Le sang qui doit couler aisément, il y a quelque chose de mort là-bas. Et le Seigneur regarde votre âme ce jour. Tout ce qui est mort en vous va reprendre vie. Comme il regarde votre corps, il envoie son esprit et l'esprit va donner vie à toutes choses au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, prédicateur, pendant que tu prêchais, je jouis de tout. Mais lorsque tu nous dis de nous lever et prier, j'ai tout oublié. Je ne peux plus même me rappeler un iota de ce que tu as dit. Donc, je disais, oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi. Lorsque l'Esprit entre, il va réveiller ta mémoire. Il va ranimer tes nerfs. Ma fille, mon fils, demain matin, tu disais que demain matin, je prêcherai un message aux jeunes et tu vas te réveiller, tu vas te rappeler. Les jeunes, je dis, vous allez vous réveiller. Lorsque j'étais jeune, comme vous, et j'ai des camarades de classe et ils lisaient plus que moi. Et arrivé en salle d'examen, et voilà, hélas, ils oublient tout ce qu'ils avaient lu la nuit, et tapaient la tête, et puis ils mordillaient leur écriture, et après le sujet, la matière, quand on sort, on dit, et quoi? On me dit, je dis, moi, pour moi, c'est bon, hein? C'est tout ce que j'ai appris, j'ai tout écrit là-bas.
Et je suis toujours premier. Parce qu'il y a quelqu'un qui demeure en moi. Et tout ce que je dois me rappeler, je me le rappelle. Demain, c'est votre tour. Les jeunes, demain, c'est votre jour. Et les étudiants, les licenciés, demain, c'est votre jour. Les jeunes professionnels, demain, c'est votre jour. Je me rappelle, après que je suis sorti de l'université et j'enseignais, généralement, je ne vais pas en classe avec un livre. Et moi, je laisse mes notes à la maison, je viens simplement là-bas, parce que tout est dans ma tête, je me rappelle tout. C'est pourquoi je veux vous connecter avec cela demain. Ce qui vous fait oublier, je vais vous dire plus de mon secret demain. Est-ce que vous aimerez écouter mon secret? Je vous donnerai la clé demain matin dans votre vie. Vous n'allez plus jamais oublier quelque chose. Nous allons voir Jean chapitre 16. Verset 13, Jean 16, voilà le verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » L'Esprit, il vient et vous conduit dans toute la vérité. La vérité du salut, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'une ombre de doute. La vérité de votre guérison, la vérité de votre délivrance, la vérité de la réception de puissance du Saint-Esprit, alors dans votre vie, il vous conduira dans toute la vérité. Mais car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous avez besoin d'un meilleur Amen. Il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, Jésus n'a-t-il pas peur lorsqu'il a vu tous ces gens qui étaient venus avec des lanternes? Il a vu Judas parmi eux. Et parce que l'Esprit lui a montré des choses à venir, il savait qui venait. Il savait que Judas venait. Et il en avait parlé. Pourquoi Jésus n'avait-il pas peur? Pourquoi Jésus ne tremblait-il pas lorsqu'il leur a posé la question, mais qui cherchez-vous? Et ils ont dit, nous cherchons celui-ci. Mais voici. Et les gens sont tombés. Pourquoi n'a-t-il pas fui? Pourquoi était-il courageux et intrépide? C'est l'Esprit qui lui a montré les choses à venir dans votre vie. L'Esprit va entrer en vous ce jour. Des choses à venir. Qui vous effrayait des choses à venir, des choses qui vous épouvantaient des choses à venir, des choses qui vous ont rendu anémié et vous ne pouvez pas vous rappeler, vous n'avez pas de colonne vertébrale. L'Esprit entre en vous aujourd'hui et vous fait rappeler les choses. Arrivez à la croisée des chemins, il va vous dire que voici le chemin, marchez-y. Et les décisions de votre vie vont devenir la décision d'une personne sage, bien orientée, bien guidée au nom de Jésus-Christ. Il va vous montrer, il me montrera, il m'annoncera les choses à venir. Avant que la maladie ne vienne, il va vous la montrer. Il va fermer, vous allez fermer votre porte. Maladie, ici, il n'y a pas de place pour toi. Calamité, ici, il n'y a pas de place pour toi. Votre vie sera bien ordonnée, bien guidée, parce que vous êtes né de l'Esprit, parce que vous êtes béni de l'Esprit, parce que vous êtes baptisé dans l'Esprit. Ce soir, l'Esprit de Dieu va vous rendre visite. Il va entrer en vous. Il va vous ranimer, raviver. Vous deviendrez plus fort que
Vous ne l'étiez au nom de Jésus-Christ. Je vais au quatrième point. Allons voir le sanctificateur présent, priant pour notre sanctification à vie. Le sanctificateur présent, priant pour vous. Parfois, vous rencontrez quelqu'un qui paraît être un guerrier de prière et tu dis, est-ce que tu pries pour moi? Et puis il s'arrête, il va maugréer des mots, il ne voudrait pas mentir, il ne veut pas vous décourager. Il dit, frère, je pose la question, est-ce que tu es guerrier de prière, est-ce que tu pries pour moi? Et puis il dit, honnêtement, je ne me suis pas rappelé de prier pour toi, mais Jésus se souvient de toi et prie pour toi. Écoutez-moi. Et dès que Jésus prie pour quelqu'un, toute personne pour laquelle Jésus prie, la personne doit réussir. Il connaît votre nom, vos besoins. Il connaît ce que vous demandez. Il reconnaît le manquement dans votre vie. Il connaît votre maladie, votre infirmité et la faiblesse de votre âme. Seigneur, lève-toi, vous vous levez, vous tombez. Seigneur, est-ce que je peux réussir? Vous allez réussir. Je vais réussir. Parce que lui, il prie pour moi. Il prie pour moi. Voyons Jean 17, verset 9. Jean 17, nous lisons le verset 9. Verset 9 dit, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Quoi? Je ne prie pas pour le monde. Oui. La prière qu'il faisait au chapitre 17, ce n'était pas pour le monde. C'est arrivé au chapitre 19 qu'il a prié pour le monde. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu es du monde, oui, il prie pour toi, mais pas cette prière. Pardonne-leur, c'est sa prière pour vous. Et ce soir, vous êtes pardonné au nom de Jésus-Christ. Et dire que je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi, ils sont à toi. Tu appartiens au Seigneur, le Seigneur prie pour toi. Il prie pour moi. Il prie pour moi. Parfois, tu es épuisé. C'est comme tu ne peux même pas faire un autre pas. Et faut pas dire que je suis très fatigué, je suis épuisé. Regarde en haut, et les regards sur Jésus, l'auteur, le chef et le consommateur de notre foi, Jésus prie pour vous. Vous allez tenir ferme. Et vous allez rester ferme jusqu'à la fin. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Comment vont-ils croire? Nous lisons les paroles écrites. Nous lisons les paroles écrites par Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons à la parole des gens en Christ. Et qu'il prie pour ceux qui croiront en moi, en lui, par leur parole. Le Seigneur prie pour vous ce soir. Et quoi qu'il soit à la droite du Père, il dit, regarde ce jeune homme, cette jeune dame, il va prier, et Père, pardonne-lui, et ce soir, vous êtes pardonné. Le Seigneur, à la droite du Père, il parle au Père maintenant, et dit, la personne là-bas a besoin du salut,
Alors il désire le salut. Père, donne-lui le salut. Et c'est fait. Je dis, c'est fait. Il regarde la personne là-bas et dit, cette personne dit, Dieu aide-moi, quelqu'un comme moi. Hier, quelqu'un était à côté de moi et s'est levé du fauteuil roulant. Et moi, Jésus t'a vu. Il dit au Père, Seigneur, lève cette personne de son fauteuil roulant. Et c'est fait. Vous avez amené un enfant malade, sous-muet. Et tu dis, mais j'ai entendu le témoignage de l'autre personne la fois dernière et son enfant était guéri. Seigneur, fais-le pour mon enfant. Et Jésus dit, Père, et c'est pour l'enfant là. L'enfant là est guéri ce soir. Parce que ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il a prié pour le salut, il a prié pour notre sanctification, il a prié pour notre force, il a prié pour notre fermeté et toutes les choses pour lesquelles nous prions ce soir vont entrer dans les mains de Jésus. Il va les présenter au Père et ce sera fait. Ce sera fait pour vous. Ce sera fait pour moi. Amen. Ce soir, c'est votre soirée. Tête baissée et les yeux fermés. La première requête que nous avons, c'est pour votre pardon. La première requête que nous avons, c'est pour votre salut. Alors qu'il vous sauve et efface la culpabilité et la condamnation de vos péchés. Et c'est ce que vous voulez. C'est une chose que vous avez, dont vous avez besoin. Vous voulez qu'il pardonne vos péchés, qu'il vous donne le salut, l'assurance du salut, la joie du salut, où que vous soyez, levez la main. Gloire à Dieu. Dieu merci. Dieu soit loué. À ma droite, à ma gauche, partout où vous trouvez, vous voulez le salut là-bas, levez cette main-là, et levez la main avec confiance, levez la main là en haut avec assurance, sachant que le Seigneur va vous sauver ce soir, et va vous pardonner ce soir, où que vous soyez. Voici le moment spécial, voici le moment particulier, pour que vos péchés soient pardonnés, ou que vous soyez en ligne, dans votre chambre, ou que vous soyez, levez la main, et le Seigneur peut vous voir là-bas. Et si vous êtes sauvé, vous connaissez le Seigneur au départ, mais en un temps de faiblesse, de manque de prière, et par hasard, et par accident, tu as rétrogradé, le Seigneur te demande de lever la main parce qu'il y a la restauration pour toi maintenant. Levez la main. L'heure de pardon, c'est l'heure de restauration, c'est l'heure de salut. Et votre heure est venue. Si vous levez la main, où que vous soyez, si vous levez la main, tenez-vous debout. Tenez-vous debout pour Jésus. Soldat de la croix, tu dis oui Seigneur, je te donne mon corps, je te donne mon âme, je me soumets complètement à toi, tenez-vous debout, que le Seigneur vous voit, qu'il vous reconnaît, que vous voulez le salut de tout votre corps, de toute votre âme, que vous n'avez pas honte, que je n'ai pas honte du pardon venant du Seigneur. Je n'ai pas honte du salut venant du Seigneur. Même si c'est aux vêtements, je peux lever ma main et disant, Seigneur, je veux ce salut. Je veux ce pardon. Comme vous tenez debout, demandez au Seigneur, parlez au Seigneur, que Seigneur, je me lève parce que je suis sûr de ce que je dis. Je me lève parce que je veux rompre de
d'avec mes péchés, je veux abandonner, délaisser mes transgressions. Parle au Seigneur. Seigneur, je me repens. Aujourd'hui, je veux que mes péchés soient pardonnés. Seigneur, je crois que le salut viendra dans mon corps, dans mon âme. Parlez au Seigneur, disant, Seigneur, me voici. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Je crois. Parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y aura pas d'ombre de doute dans ton cœur, ombre de doute et d'incrédulité. Est-ce que je serai pardonné, sauvé? Oui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est fait. Je dis, c'est fait. Pour vous, c'est fait. Il pardonne à tous ceux qui l'invoquent. Il sauve tous ceux qui viennent. C'est fait. La main toujours en haut. Pour ceux qui se lèvent, Père, au nom puissant de Jésus, Père, au nom merveilleux, miséricordieux de Jésus, selon ta promesse, quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Toutes ces personnes qui ont levé la main, qui sont tenues debout, je prie que tu leur accordes ta miséricorde, que ta grâce leur parvienne, que tu leur accordes le pardon et que ton salut du péché, des conséquences du péché, que le salut là leur soit accordé maintenant. Efface toutes leurs transgressions du livre de souvenirs. Accorde-leur la joie du salut, l'assurance du salut, l'évidence de l'expérience du salut. Merci Seigneur, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout, les conseillers sont là. Ils vont vous donner une fiche à remplir ou bien ils vont vous aider à le remplir, à la remplir. Et après cela, la prière de miracle viendra à vous. Miracle ce jour, la guérison ce jour, la délivrance ce jour, dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Donnez-leur votre téléphone, numéro de téléphone, votre adresse. Conseiller, faites couvrir le nombre de tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur afin de prendre toutes leurs coordonnées. Ceux qui sont en ligne doivent aussi se rendre disponibles pour cliquer le lien sur qui s'affichera sur l'écran afin de pouvoir remplir la fiche et la soumettre. Pour ceux qui sont en ligne, il y a un lien sur l'écran qui est dckhq.org/connect. Cliquez sur le lien là et puis un formulaire va s'afficher. Remplissez bien ce formulaire et soumettez-le.
prise des coordonnées de nouveaux convertis. Écrivez bien le nom des nouveaux convertis. Ceux qui ne se sont pas levés doivent continuer de parler au ciel ou parler avec le ciel afin que l'intervention du Seigneur parvienne à votre vie. Continuez de vous préparer dans la prière en attendant que l'homme de Dieu revienne faire la prière de miracle. Prise des coordonnées de ceux qui venaient de donner leur vie au Seigneur. Ceux qui sont en ligne, à la radio, à la télé, faire tout pour nous envoyer votre coordonnées qui sont dans l'attente de miracles, continuez de prier le Seigneur afin qu'il vous bénisse. Il y a toujours un miracle attaché à votre nom. Continuez de taper la porte du ciel. Continuez de prier le Seigneur avant que l'homme de Dieu ne vienne faire la dernière prière. Ceux qui ont suivi le message à la radio, à la télé, sont priés
d'envoyer leurs coordonnées à ce numéro qui est plus 234 91 54 44 9 2 et 6 3. L'heure est toujours à la prise des coordonnées de ceux qui venaient de donner leur vie au Seigneur. L'audience en ligne, et ceux qui sont à la télé, sur les réseaux sociaux, il y a un lien là à cliquer qui fera afficher un formulaire à remplir et puis à soumettre. Le lien, c'est jckhq.org/connect. C'est toujours la prise des coordonnées de ceux qui venaient de donner leur vie au Seigneur. All right, get set. Apprêtez-vous pour votre miracle. Apprêtez-vous pour votre miracle. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Mon miracle est arrivé. Il faut le répéter, mon miracle est arrivé. Mon miracle va me localiser ici. Cela viendra à vous. Levez une main et imposez l'autre main là où vous avez le défi. Votre guérison est définie. L'ouverture des yeux des aveugles définie. La guérison des paraplégiques définie. La puissance dans votre vie. Amen. Levez la main là. Imposez l'autre, mais là vous avez le mal. Père, au nom puissant de Jésus, nous savons que le miracle, la guérison, la délivrance pour ton peuple, tout est garanti ce soir. Au nom de Jésus, je prie que vous receviez votre miracle au nom de Jésus-Christ. La folie, l'insanité, soyez-en délivrés au nom de Jésus-Christ. Des problèmes cervicaux, vous ne pouvez pas tourner le cou. Que ce soit le goitre, soyez-en délivrés au nom de Jésus-Christ. Toute forme de tumeur, que ce soit l'hernie, l'éléphantiasie, quel que soit l'enflement anormal, soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour les aveugles. Et ils ont des gens qui ont une vision floue. Seigneur, touche leur vision maintenant. Éclaircis leur vision. Ôte la cataracte, le glaucome de leurs yeux au nom de Jésus-Christ. Et
que la dégénérescence de la rétine, je prie qu'il y ait une création miracle et que tu redonnes à la personne un nouvel yeux au nom de Jésus-Christ. La lèpre, que le Seigneur te touche maintenant. Ta lèpre, tes problèmes de peau, que tout soit ôté maintenant au nom de Jésus-Christ. La peste de sang, cesse maintenant, sèche maintenant. Le sang qui sort afflue, que cela cesse ce jour au nom de Jésus-Christ. La maladie de longue date, la maladie incurable, le cancer, l'ulcère, quelles que soient les maladies internes et maladies des reins, des poumons, soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Les hémorroïdes, soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. L'arthrite, la paralysie, la paraplégie, la poliomyélite, soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont alités et tendus, levez-vous et marchez. Je prie que partout maintenant, de ma gauche à la droite, de derrière, jusqu'au devant, et par au-delà d'ici, en ligne, et partout dans sur tous les continents, qu'il y ait la profusion de miracles, de délivrance partout au nom de Jésus-Christ. C'est fait. C'est confirmé. Tout le monde reçoit et démontre sa guérison. Au nom de Jésus, j'ai prié.